Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn d'Hamilton.com. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de mon déballage de ma méga commande de Pink Summer. Alors, on va regarder les 1. Oups! 2. Et 3. Et 4. Alors, sans un ordre particulier, dans l'ordre que ça vient, je vais les déballer un à un. Alors, le premier kit. Je vais mettre ça ici, dans mon place. OK. Alors, le premier kit, c'est de la compagnie sans nom, vous connaissez, et c'est ça ici. Oups, attendez. Les beaux guépards. La luminosité est superbe. On va avoir beaucoup de jaune. C'est un 70 par 50. 278 points par 191. Et je vous montre le patron. Comme d'habitude, la compagnie sans nom, c'est impeccablement imprimé. OK. Alors là, c'est sûr, on va avoir beaucoup de jaune. On va avoir dans des bruns, du vert, du rouge. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on a un petit toolkit ici. Combien de couleurs est-ce qu'on a? J'ai pas pensé à le regarder. Lynn, tu te négliges. 42 couleurs. 42. Un sac. Alors ici, on a du noir. Du noir ici. Ici, on a du 938. 938 deux fois. Ici, on a un beau gold. 3852. Un autre ici. 782. On a des beaux jaunes. Ça, c'est une belle couleur. Wow! 742. Ici, qu'est-ce qu'on a? 300. On a un autre 400. Et là, je disais qu'on avait 42 couleurs. Wow! Ça va être très lumineux comme pièce. Alors, on disait qu'on avait 42 couleurs. Alors, ça, c'est les couleurs 37 à 42. Et regardez, on a des roses ici pour les fleurs. Du vert pour la verdure, des bruns, c'est sûr qu'on a beaucoup, des golds, puis regardez ici, on a d'autres roses, d'autres verts, magnifique. Et là, si on rouvre le tout, et... Alors, c'est sûr, dans le ciel, on a des beaux blocs de couleurs. Regardez ça. Hey! 0,5, c'est du 310, oui. On a beaucoup de 0,5. Mais dans le ciel, ça va être très, très clair. Magnifique. OK. C'est surjeté, la toile est surjetée comme d'habitude. Je prends ça ici. Je vais mettre ça comme ça. Aïe, aïe. Ça. Avec ça, on va mettre ça tout de suite dans le sac. Ça comme ça. Oups. Mmh.
Bon. Alors, c'est une première pièce. La deuxième. C'est de la compagnie sans nom aussi. Là, vous voyez qu'on est dans d'autres teintes. Alors, c'est une 50 par 70, 191 points par 278. Et on a un beau paysage sous-marin. Alors, une épave, des coraux, des poissons. OK. Alors, on a, comme ça, on a 50 couleurs. Je vous montre la toile. Alors, la couleur 50, c'est du 38-65. Fait qu'on a beaucoup de blanc à cause de la luminosité d'en haut, là. Puis, alors, je vous montre ça ici, comme ça. Et... vous aurez en description les liens pour chacune des pièces que je déballe. Alors, on va regarder les couleurs. Wow! Wow! On a disait que 50 couleurs. Fait que la première était dans les jaunes, dans les or. Elle, bien, c'est certain, on est tous dans les bleus. Alors, des bleus ici. Regardez. Ça ici. Ça ici. OK. Alors, on a beaucoup de bleus. Ça, c'est 8,23. OK. Puis là, si on regarde. Wow, wow, wow. Alors, si on regarde ça. OK. Comme ça. Regardez-moi ça. C'est beau. Oh, 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 c'est beau. Hey. C'est beau. Non, ceci. Je vais le rerouler. Mais c'est magnifique. On a un petit kit, comme d'habitude. Et la pièce, très bien imprimée. Wow! Magnifique! Alors, je vais mettre ça comme ça ici pour tout ça. Mais, je rentrerai tantôt. La prochaine. Aussi de la compagnie sans nom. Toujours du 11 count. Là, on est dans d'autres teintes. Là, on est dans le vert. Et je vous montre la pièce. C'est un tigre qui est dans l'eau, à côté d'une cascade. On voit un perroquet, plusieurs papillons. Combien de couleurs est-ce qu'on a là-dessus? C'est un 65 par 46. Et nous avons 46 couleurs. On voit tout de suite le tigre ici qui est comme... OK. 46 couleurs. OK. Alors, on a un petit toolkit comme d'habitude.
Tiens. Alors, ici, on a du noir, du brun, un vert ici, un vert plus foncé, un gris. Puis, si on regarde les couleurs... Très, très belle couleur aussi. Regardez ceci. Ceci. J'arrive avec ce... Oh! Très, très joli. Très, très, très joli. Et si on regarde le canevas, alors je vous montre le canevas comme ceci. Alors on voit très bien le tigre. Non, Paint Some Wheel, là, il y avait tellement des belles pièces. Puis je suis allée à 10. Il y avait un rabais si on atteignait 10 pièces d'un peu plus élevé de pourcentage. Puis il fallait que je m'arrête à 10 parce que je serais allée à 20 très facilement. Fait que, il y avait tellement des pièces que j'avais jamais vues ailleurs. Là, quoique certaines des pièces que là, j'ai commandées, j'ai commencé à les voir ailleurs. Fait que peut-être Paint Some Wheel était les premiers à les recevoir, mais... Et la dernière pièce. Je suis chanceuse, dans cette commande-là, j'ai pas de DIY crustique, j'ai seulement de la compagnie sans nom. Alors, celle-là va être intéressante. Elles sont toutes intéressantes, celle-là. Est... Alors, je vous montre l'image. 50 par 63, regardez. C'est une sirène. Elle est magnifique. Les couleurs en arrière. Puis elle lit un livre dans l'eau. Mais j'aimerais ça savoir sa marque de papier parce que chez moi, du papier dans l'eau, là, ça ne touche pas là. Alors, on a des tortues. On a des... Je ne sais pas qu'est-ce que des jellyfish, comme on appelle, là, je ne me souviens plus en français. Beaucoup de coraux, beaucoup de poissons, des coquillages. Ces cheveux sont magnifiques. Alors, c'est un 50 par 63, 191 points par 247. Et je vous montre, on a 48 couleurs. Wow! Et ici, les couleurs vont être... Mais je vois tout de suite, là. Regardez, là, tout de suite. Well! C'est drôle parce qu'on a deux pièces dans l'eau. Une est vraiment bleutée, puis l'autre est beaucoup plus vert pâle. Alors, un jaune, regardez ça, on n'est pas dans les mêmes teintes, pas en tout. Ça ici, regardez ce vert-là. Waouh! Ça ici, ah mon Dieu, on a beaucoup de suppléments. Ça ici. OK. On va regarder les couleurs ici. Ah. Tiens. Hein? Les belles couleurs. Puis ici. Voilà, c'est magnifique.
Alors, on va mettre ça ici, ça ici, ça ici. Puis si on regardait ma sirène. Oh! Aïe, aïe! Elle est tellement belle! Ouais, mais ses cheveux, on va être dans le confetti, par exemple. Mais, c'est très, très bien imprimé, comme d'habitude. Regardez. OK! Alors, j'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie de ma méga commande de chez Paint Some Way. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un petit pouce en l'air, ça m'aide toujours. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à... Ben, je vous l'ai dit déjà, vos commentaires et suggestions sont toujours lus avec attention. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye!